Coucou les girls, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des petites nouvelles. Donc la sage-femme hier, elle est venue à la maison. Voilà, bonne nouvelle. Je disais qu'il prend du poids. Ça commence à cicatriser. Merci pour tous vos conseils. De toute façon, je vous mettrai tous les conseils qu'on m'avait donnés. De toute façon, je vous ai tout partagé, les coquillages, le lait maternel, les crèmes et tout. Donc là, on est sur la bonne voie. Ça fait toujours mal, mais ça cicatrise et ça fait moins mal qu'avant. Donc là, pour l'instant, je suis toujours motivée et je ne vais pas abandonner. Alors, le petit programme d'aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est passeport, carte d'identité, photo d'identité pour Isaac. Comme ça, je suis débarrassée. J'ai fait la pré-demande sur le site ANTS. J'ai fait ma déclaration à la carte vitale pour qu'il soit affilié à ma carte. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est tout papier. Donc, on va lui faire les photos chez le photographe. J'ai trop hâte. Et on va faire le passeport et la carte d'identité. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, même si je veux prendre l'avion là pour aller chez mes parents. Bon, les filles, on est arrivé au studio de photographe. Donc là, on va commencer par faire les photos d'identité de Isaac. Et après, on va tout déposer les documents en mairie. Comme ça, son passeport et la carte d'identité, c'est fait. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Démarrer la séance photo. T'es trop mignon. Bon bah les filles, rapide, efficace. Isaac, il a été trop sympa. En, allez, combien de secondes, Jamal? 30 secondes? One shot direct. One shot, direct la photo. Hop. Hop là. On est vraiment trop contents. Donc là, on a rendez-vous à 16h à la mairie. Donc là les filles, direction la maison, on va rentrer manger, faire une petite sieste pour Isaac. Et ensuite on va ressortir cet après-midi pour aller à la mairie pour faire le passeport. Comme ça aujourd'hui on est à jour sur tout, tout, tout. Là ça y est les filles, on est rentré à la maison, il est en train de téter. Après je vais lui changer sa couche. Et ensuite, go à la mairie. Comme ça, il va faire sa petite sieste dans la voiture. Après avoir bien mangé. Mon petit, ces petits pieds, je les aime trop, trop, trop. Donc là les filles, ça y est, Isaac il a mangé, on lui a changé la couche, on a mis les gouttes pour les yeux. Là t'as le OK. Donc là, direction la mairie. Donc là, c'est bon Jamal? Ouais, c'est bon. Allez. Si. Les filles, ça y est, on est arrivé à la mairie. J'ai hâte de faire ces papiers, comme ça sera une bonne chose de faite cette semaine.
suis contente, c'est une bonne chose de faite. En plus, les délais, normalement, c'est entre 2 à 3 semaines. Donc, c'est parfait. Franchement, au moins, je suis tranquille. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, on est sur du 58-300. C'est bien, franchement, je suis contente. Bon, ça y est, les filles, j'ai allaité Isaac. Et là, je vais rester avec lui, je vais le stimuler. Moi, je vais manger, je me suis commandé un tieb, j'en avais trop envie. Et on va se coucher sous les coudes de 22h30. Alhamdoulilah. Encore? Non, c'est bon. Sous les coudes de 22h30, 23h, ça serait bien. Comme ça, on dort 3-4 heures. On remange. Et après, on refait dodo. Ok? Le but, c'est de dormir bien la nuit. Ok? Est-ce que t'es d'accord? Tu peux répondre. Vas-y, vas-y, je te laisse répondre. Je te regarde pas. Bon les filles, ça y est, je vais enfin pouvoir manger mon tieb. J'ai commandé chez Melting Pot. J'ai pris des frites de patates douces aussi. Bon les filles, ça y est, je vais enfin pouvoir manger mon tieb. J'ai commandé chez... Comme je vous ai dit, je me suis pris un bon tieb avec des frites de patates douces. Et là, on a la sauce verte. Comme je vous ai dit, je me suis pris un bon tieb avec des frites de patates douces. Sandwich, pique-nique, mettez, mettez-la, mettez.